Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Louise, vous pouvez m'appeler Loulou, et bienvenue sur cette chaîne, c'est ma toute première vidéo. J'ai un grand objectif pour cette année, je viens de poser ma fille à sa rentrée scolaire, elle vient d'arriver en quatrième. Elle était un petit peu stressée et moi aussi parce que c'est aussi ma rentrée. On est au mois de septembre et ça fait des mois et même plus que ça que j'essaye de mettre de l'argent de côté malgré des revenus corrects, vous le verrez, et que je n'y arrive pas. Or, je commence un petit peu à stresser puisque j'ai encore 23 ans de crédit immobilier à payer et j'aimerais bien quand même pouvoir vivre décemment avec l'argent qui m'est donné et savoir où est-ce qu'il va et comment il part, si c'est possible. Donc ce que je vous propose dès maintenant, dès la première vidéo, c'est de vous montrer comment j'ai décidé de gérer mon budget et puis de vous montrer au fur et à mesure les avancées, les économies que je vais réussir à mettre de côté, peut-être celles que je ne réussirai pas. Et si le cœur vous en dit, si ça vous intéresse de suivre un petit peu ce trajet, et ben abonnez-vous. Et puis en commentaire, dites-moi que vous avez envie de vous lancer sur le challenge aussi. Comme ça, je saurai que je ne suis pas seule dans cette grande aventure qui me stresse un peu, je dois bien l'avouer. C'est peut-être l'effet rentrée, ceci dit, mais je pense que c'est aussi l'effet vidéo et le fait que je vais vous donner quand même beaucoup d'informations personnelles. Forcément, ben, l'argent, c'est pas toujours facile d'en parler. Mais à mon avis, c'est important d'être face à ses dettes et face à ses problèmes pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est parti, je me lance tout de suite. Voici ma première fiche de budget mensuel. Et donc, je vais la remplir pour la période de septembre 2021, puisque c'est ce mois-ci que je commence mes bonnes résolutions. Au niveau de mes revenus, donc, je travaille, j'ai la chance actuellement de travailler à la maison et d'être payée tous les deux du mois, donc j'ai été payée hier et j'ai touché 1597 euros et 12 centimes. J'ai rien touché d'autre. Alors ça aussi, ce sera probablement des objectifs que je vais me fixer sur le mois à venir et les mois à venir. C'est d'essayer aussi de gagner un petit peu plus avec des astuces. Il y a économiser puis il y a gagner un petit peu plus. Tout ça pourrait me permettre peut-être de rembourser mon crédit un peu plus vite. Donc pour le moment c'est ça, j'ai laissé quand même plusieurs lignes de revenus, vous voyez, parce que je me dis que par-ci par-là, je vais trouver d'autres façons de diversifier mes entrées. Ensuite, au niveau des sorties automatiques, alors ce que j'appelle les sorties automatiques, ce sont des choses qui sont fixes, qui ne bougent pas et qui vont s'opposer aux variables. Évidemment. Donc, par exemple, au niveau des dépenses qui ne bougent pas, je ne vais pas forcément les faire dans l'ordre des dates, mais je vais vous expliquer un petit peu. Donc, il y a évidemment mes cotisations bancaires et par cotisation bancaire, j'entends ma banque perso et avec mon mari, on a un conjoint. Donc, tous les frais qu'on a ensemble, on les divise par deux. Donc, je prends moi toute seule l'argent, enfin je paye toute seule l'argent pour mon compte perso et nous payons divisé par deux à moitié le compte joint. Donc ça me fait un total de 17,23 tous les mois, il n'y a rien qui change. Ensuite j'ai plusieurs assurances, j'ai des assurances vie, des assurances prévoyance, bref tout ça c'est prélevé le 12, ça ne change jamais et on est sur un montant quand même de 97,92 euros. Dedans, il y a une assurance vie qui représente mes économies pour ma retraite. Et il y a également une assurance décès au cas où il m'arrivait quelque chose. En fait, je suis séparée du père de ma fille. Je n'ai qu'une fille. Et s'il m'arrivait quelque chose, je voudrais qu'elle ait un petit pécule pour s'en sortir plus tard. Donc, n'étant pas riche, ne pouvant pas mettre des milliers d'euros de côté comme ça du jour au lendemain, j'ai préféré passer par une assurance. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu cher d'assurance par mois, mais j'assume, il y a un objectif derrière. Ensuite, j'ai également l'assurance de ma voiture qui est à 39,30 € par mois. Et j'ai comparé pour avoir la moins chère et la plus intéressante. Donc si ça vous intéresse, on parlera aussi des assurances auto parce que c'est un gouffre financier. Et surtout, l'important, c'est que c'est... assurances soient là quand vous avez besoin. Et moi, j'ai eu la chance de payer ce prix-là, mais d'avoir un carton, il n'y a pas très longtemps, qui m'a fait bien peur et sur lequel je n'ai pas eu à débourser un centime. Donc voilà, les assurances, c'est un peu touchy, mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Ensuite, on a mis une alarme dans la maison.
Hop, donc c'est prélevé tous les 16. Il y a quelques cambriolages dans le coin. Moi, personnellement, je veux dormir sur mes deux oreilles. Donc, c'est 15,25 € par mois. Alors, la plupart des montants là, que je vous montre, là, 15,25 € par mois, je le répète, hein, étant donné que ce sont des dépenses communes avec mon mari, en fait, la télésurveillance, c'est plutôt 30,50 € par mois. Ça, c'est ma partie. Voilà. Il n'y a que mes dépenses personnelles que je paye entièrement, mais on a pour coutume avec mon mari de toujours tout diviser par deux. Voilà. Et on compte, quel que soit notre niveau de revenu, on a toujours fonctionné comme ça. Et ça nous permet tous les deux d'être à la fois liés mais indépendants. Alors, EDF, évidemment, là, si je paye ma part, divisé par deux, ça donne tous les mois 75 €. On a également une taxe pour tout ce qui est poubelle et déchetterie dans mon village, prélevée le 10 du mois, et qui valent à 7 € pour ma part. Ensuite, on a évidemment, j'allais l'oublier, celle-ci, l'assurance. De la maison, l'assurance de la maison, c'est tous les 12 du mois. Il commence à y en avoir un petit paquet. Ça fait 19,99 €. Alors, je suis précise, mais on verra bien comment on s'en sort après pour les centimes. Parce que je vous expliquerai ma méthode. Elle n'est pas seulement ici, elle va être aussi en cash. On verra ça après. Ensuite, je paye ma part pour l'eau tous les mois. Ça arrive le 5 septembre et ça équivaut à 25 €. Voilà, on arrive presque au bout. J'ai également Spotify, on me divise en deux, c'est un abonnement famille, donc à 14 et quelques €. Moi en tout cas, du coup, je paye ma partie 7,50 €. Très très pratique, je crois qu'on a 6 comptes ou quelque chose comme ça. Disney+, ça, j'avoue que je ne le regarde pas, mais c'est pour ma fille à un moment donné. J'ai arrêté Netflix parce qu'on commençait à avoir un petit peu trop de plateformes de streaming. Mon mari a Amazon Prime, moi j'avais Netflix, on m'a demandé Disney+. Bon voilà, il a fallu faire des choix. Je ne sais pas vous comment ça se passe, mais à un moment donné, on avait à peu près tout ce qui passait, les Canal+, qu'est-ce qu'on a eu aussi, OCS. Enfin bon bref, autant vous dire qu'une fois qu'on fait le total à la fin du mois, c'était un peu n'importe quoi et on ne regardait pas le quart, même pas le dixième, j'ai envie de dire. Internet, évidemment, donc ça, c'est pour la box et la télé. Et puis, mon propre téléphone, je suis à un tarif plutôt correct de 12 € par mois. Hop, alors, je vais sortir ma vieille petite calculatrice, ça faisait longtemps. Hop, parce que bon, le téléphone, c'est bien sympa. Mais on finit toujours par s'y perdre et par recevoir des appels pendant qu'on est en plein calcul. Alors, 39,30 € plus 15,25 € plus, n'allons pas trop vite, je vais me tromper, plus 7 plus 19,99 € plus 25 plus 7,50 € plus 9 plus 11 plus 12. Voilà, on se retrouve avec 36,19 € de frais qui sont tous les mois sortis de mon compte, quoi qu'il arrive. Donc déjà, ça nous donne une petite idée bien sympa de là où j'en suis. Ensuite, on a les... Et c'est là que le bas blesse. J'ai préparé une autre fiche pour mes dettes. Et oui, tadadam. Alors comme ça, je vais tout vous dire, combien je paye par mois, mais aussi bah, combien je dois hein, en tout, parce que c'est quand même important. Donc j'ai évidemment le plus gros crédit, qui est le crédit pour notre maison. Et là, pour tout vous dire, on paye 717,83 € par mois, mais puisque nous sommes deux, ma part s'élève à 358,92 €. Et de 1, ça c'est le premier crédit. Ensuite, on a dû refaire tout notre système de chauffage. Donc, on a changé la pompe à chaleur. Pour tout vous dire, nous avions des cuves de fioul qui dataient de plus de 40 ans quand on s'est installé dans la maison il y a 2 ans. Et elles étaient déjà d'occasion et elles étaient en train de craquer complet. Et puis, c'est pas écologique du tout le fioul. Donc, de toute façon, on avait prévu de changer. Mais on pensait pas que ça n'arriverait si vite. Donc,
On est parti, mon kiki. Tous les mois, on rembourse 128 euros qu'on divise évidemment par deux, ce qui donne 64 euros pour rembourser ce crédit qui est bien dodu. Alors, le crédit de la maison, on a acheté notre maison 164 899,52 euros. Donc ça, c'est une dette, donc ça, c'est le capital qu'on a emprunté, hein, pas les intérêts. Et la pompe à chaleur nous a coûté 15 000 euros. Waouh ! Quand j'ai vu le prix, j'ai fait une espèce de syncope. Mais bon, il paraît que ça va nous permettre de mieux revendre la maison qu'une vieille cuve à fioul qui est à deux doigts de décéder. Néanmoins, on n'a pour le moment pas l'objectif de vendre la maison, mais bien de la payer. Donc voilà, on a encore pas mal de temps pour s'amuser avec ces crédits. Et puis également, quand on s'est installé, nous étions totalement encore plus pauvres qu'aujourd'hui. Donc nous avons fait un crédit pour une cuisine qui était déjà pas chère à l'origine, qu'on a acheté chez Castorama. Le crédit était de 54,25 euros par mois, divisé par deux. Donc ma part est de 27,13 euros. Il reste à payer en capital sur ce crédit 1844 euros et 33 centimes. Je crois que la cuisine nous a coûté moins de 2500 euros, quelque chose comme ça, chez Casto. Donc, le total de ma dette, je ne vais pas calculer le montant total. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le montant mensuel de ma dette, comment j'arrive à la gérer mensuellement. Parce que bon, on va prendre les choses par étapes quand même. Hein, hop, 64. Je vous montre pas, plus 27,13 450,05. Bon, alors je vais peut-être faire un petit point là dans ma tête sur déjà ce qui va me rester, puisque hop, si vous voyez bien, je gagne 1597,12 euros. Je dépense, quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte, 336,19 € par mois. Et j'ai une dette mensuelle de 450,05 qui s'ajoute. Donc concrètement, combien me reste-t-il déjà quand j'ai payé tout ce que je devais? On reste à vivre, on appelle ça. Hein. Qu'est-ce qui me reste en vérité à la fin du mois? Moins 450,05. Et il me reste 810,88 €, et comme ça va être hyper chiant, je vous expliquerai la méthode après, mais comme ça va être hyper chiant de compter les centimes et compagnie, on va faire que comme s'il me restait 800 €. Voilà, on se le dit, vous le savez, il me reste 810,88 €. De toute façon, j'étais à découvert ce mois-ci, donc tant pis. 800 €, allez, il me reste 800 €, c'est parti. Donc qu'est-ce que je vais faire de ça? Allez, je le note quand même pour m'en rappeler. Yes! Alors, première chose, dans mon budget, je vais faire ce qu'on appelle des économies mensuelles. Et là, je monte ma petite fiche. Je vais faire des objectifs d'économies mensuelles pour les choses qui ne sont pas arrivées, mais vont pas tarder à arriver et finissent toujours par arriver. Exemple, les problèmes avec ma voiture, donc tout ce qui est maintenance, mécanique et compagnie. Les problèmes avec la maison. J'ai même pas envie de me mettre un mauvais karma, donc je ne vais pas dire des mots. Autour de ça, j'ai failli dire toiture, mais bon sang, si la toiture craque, je pleure. Il y a des choses qui vont arriver aussi, qui sont les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, les vacances, voilà, tout ça, c'est des choses, il faudrait que j'essaye de le budgéter par mois pour pas me retrouver toujours en train de tirer la langue quand ça débarque, on ne sait pas d'où. Quoi qu'il arrive, il faut que je me dise que ça va arriver à peu près. Toutes ces choses-là arriveront toujours une fois par an, notamment cadeaux d'anniversaire et cadeaux de Noël, on est plutôt tranquille. Il y a rarement des changements. Donc, on va commencer. J'aimerais économiser donc en cas de pépin avec la voiture, en cas de pépin avec la maison. J'aimerais économiser pour les anniversaires, j'aimerais économiser pour Noël et j'aimerais économiser idéalement pour des vacances, des week-ends, des trucs cool, quoi. Ok, donc je pense que j'aimerais, en général j'en ai rarement pour moins de 500 € par an. En voiture, que ce soit pour, je sais pas, la clim, les... ouais, il y a toujours un truc, de toute façon. J'y connais rien, mais il y a toujours un truc. C'est une voiture d'occasion, donc allez, on va dire que je veux une réserve de 500 € par an qui se constitue, donc, ouais, allez, 41. Là, on enlève les centimes parce que ça va me gonfler.
Donc, on va dire qu'il faut que j'économise 42 € par mois. On verra à la fin du mois si je les ai économisés ou pas. On fera un bilan ensemble. Ensuite, pour la maison, j'aimerais économiser à peu près 50 € par mois. Ça va pas être foufou, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Ensuite, pour les anniversaires, en général, j'ai remarqué que ce soit pour les anniversaires ou pour les Noël, je dépense sensiblement la même chose, en comptant ma fille, mon mari, mes parents, mon frère, ma belle-sœur et mon neveu, et quelques amis très proches. J'essaie de faire attention maintenant parce que ça, je sais que les cadeaux d'anniversaire et de Noël, c'est vraiment un truc dans lequel je dépense sans compter. Et c'est un problème puisqu'après je suis à découvert, donc l'objectif c'est de faire plaisir aux autres mais quand même de, bah, si possible de vivre en fait. Donc là j'ai décidé de me calmer un peu et de passer à peu près, allez, 13-15 € par mois, vous voyez, ça pourrait donner 150 € de budget pour les anniversaires, 150 € de budget annuel pour les Noëls et puis je répartis en fonction. Donc 150, ouais, allez, ça fait à peu près 13 € quoi, et ça me fait 150 € par an. Et ensuite, pour les vacances, on va partir du principe que, je vais dire 1 000 € parce que c'est quand même, on peut faire des vacances moins chères, mais au final, je me rends toujours compte que, une fois qu'on a payé la location, les trajets et compagnie, on se paye des restos et des activités sur place, on revient toujours à 1 000 €. Donc 1 000 € divisé par 12, ça nous fait un petit 83 €, j'enlève les centimes à nouveau. Et c'est déjà pas mal. Donc le total des économies que je dois mettre en plus de tout ça, ça nous fait un 42 plus 50 plus 13 plus 13 plus 83. 201, concrètement, on va pas se faire chier avec les 1 ou les centimes, donc on s'est compris. Ça nous fait un petit 200 € d'économie par mois. Allez, c'est bon, encore plus. Donc, alors, j'en étais à 800 €. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il me restait 800 €. Et là, je vais en enlever 200. Donc, je ne vais pas utiliser ma calculatrice, car je suis un génie. 800 moins 200 égale 600. Donc, il me reste 600 €. Et là, je passe à ma méthode de ouf que j'ai trouvée sur... dans des livres et puis que j'ai adoré trouver sur YouTube. Donc ça y est, c'est à mon tour, c'est parti. Je me lance dans le système des enveloppes. Et là, je me suis créé du coup ce joli petit tableau parce que moi, si je ne note pas, j'oublie tout. Et donc, dans ce tableau, on est d'accord qu'il me reste 600 € que je vais retirer en cash. Alors, déjà, première chose... Tout a été retiré automatiquement. Partons de ce principe. Mes dettes, mes dépenses automatiques. Il me restait 800 €. 800 €, je vais mettre 200 € de côté en cash. Attention, en cash. 200 € de côté dans une enveloppe spécifique pour toutes les petites choses que je vous ai montrées. Voiture, maison, cadeau de Noël, anniversaire et vacances. Et puis là, par contre, on va passer sur mes dépenses variables par mois. Et Dieu sait qu'il y en a, parce qu'il va bien falloir que je mange et que je scolarise ma fille et que je donne des croquettes à mes chats et de l'essence à ma voiture. Voilà. Donc, il me reste 600 €. Et comme vous avez pu le constater, j'ai déjà commencé par payer mes dettes, payer mes charges fixes, payer aussi les économies que je suis censée faire avant de me payer en charges variables. Si j'y arrive, ce serait vraiment très très cool. Donc voilà les catégories qui sont les plus importantes pour moi. J'ai regardé un peu sur mes mois précédents, sur le compte de ma banque, tout simplement, ce dans quoi je dépensais le plus d'argent. Il s'avère qu'évidemment, c'est l'alimentation. En partie, hein, mais quand même, je dépense à peu près 200 € par mois. Et croyez-moi, je me demandais pendant super longtemps comment j'allais faire pour pour diminuer ce budget, parce que pendant 6 mois, je ne m'étais pas rendu compte, mais en nourriture et en restaurant aussi, je dépensais plus de 1 000 € par mois. Alors, comme vous avez pu le constater, sachant qu'il me restait 800 € une fois que j'ai dépensé toutes mes charges, comment j'ai fait? Voilà, donc on arrête un peu les bêtises. Alimentation, je me mets 200 € par mois, sachant qu'on mange beaucoup de frais. On a des producteurs locaux qui vendent leurs légumes pas trop chers et qui sont soit bio, soit pas traités.
Donc, voilà, on va faire de notre mieux. Donc, alimentation, 200 euros. Ensuite, ma fille. La scolarité de Lily, c'est 100 euros. Comment j'ai calculé ça? Ça inclut par mois la cantine, ça inclut par mois les fournitures qui pourraient manquer ou les sorties scolaires, et sa fameuse carte de bus qu'elle oublie tout le temps. Ça inclut également le forfait pour le transport scolaire. Et ça va inclure, je le souhaite de tout cœur, un abonnement à des soutiens, à du soutien scolaire. Je vais tester un service dans pas très longtemps parce qu'elle en a grandement besoin. Voilà. Donc, on va mettre un petit coup de pouce cette année pour sa scolarité. Ensuite, au niveau entretien, maison et jardin. Donc, que ce soit des graines pour le potager, que ce soit une ampoule dans la maison ou un petit élément de déco, je vais me laisser une petite enveloppe de 30 euros pour continuer à entretenir cette maison. Ensuite, j'ai des chats. J'en ai deux. Il s'avère qu'il y a un mois, j'en avais encore qu'un. Mais je vous expliquerai peut-être un jour, si ça vous intéresse, l'histoire de cette mimine qui a actuellement 6 semaines et que j'ai trouvée dans un parc, complètement malade, malade d'à peu près tout, hein, coryza, gale, puce, tique. Elle est malade, quoi. Voilà. Donc, il faut la soigner, cette pépette. J'ai toujours fait vacciner mon premier chat, qui a 4 ans. Les vaccins, les vermifuges, les antipuces, les joujoux quand il y a besoin, les séances chez le vétérinaire, bref, tout ça, ça coûte. Donc, moi, quoi qu'il arrive, je vais mettre 30 euros par mois pour mes chats. Ensuite, donc c'est plutôt des frais de santé, hein, vous l'avez compris. Ensuite, pour ma voiture, alors, au niveau voiture, j'ai des déplacements à faire régulièrement pour ma fille, notamment pour pouvoir l'emmener à son papa qui habite à 1 heure de route. Donc, j'ai calculé qu'il me fallait 2 pleins plus quelques péages et quelques stationnements. Donc, je pense qu'il me faut 160 euros et pas moins. Je vais quand même essayer de faire moins et de moins me déplacer, mais bon, je vais faire comme je peux. Ma fille, en plus de sa scolarité, l'argent de Noël et compagnie, elle a du, comment on appelle ça, de l'argent de poche de son père. Et moi, elle me demande régulièrement de lui faire des petits achats qui sont clairement du shopping. Donc, petit vernis à ongles, petite commande Shein. Je ne suis pas trop pour d'ailleurs, mais ai-je bien le choix? Donc, commande Shein ou compagnie. Donc, hop, je vais 20 euros, je lui garde. Je ne lui dis pas parce que sinon, elle va les dépenser le 4 du mois. Mais elle a une enveloppe chez moi de 20 euros. Quand elle me demande quelque chose, si ça n'excède pas les 20 euros, eh ben c'est cool. Sinon, elle a son argent de poche. Et ensuite, ça, c'est en famille, sortie et resto, 60 euros. Et là, je m'aperçois qu'on est bon, on les a les 600 euros, 300, 360, 380, 180, 600. On les a, mais il va me manquer quelque chose. Moi, je ne peux pas me faire plaisir là-dedans. J'ai un peu envie de m'énerver quand même. Est-ce que je ne ferais pas passer... Bah oui, mais ne serait-ce que, tu vois... Comment je vais faire ça? Bon, écoute, pour le moment, on va dire que ce mois-ci, je ne me fais pas moult plaisir. Mais le mois prochain, il n'y a pas moyen. Hein. Il faut que je me garde un truc pour moi. Je me demande si des vacances, je vais pas les... Hein. Bon, ok? Voilà, parce que là, je me suis complètement sacrifiée. Hein. J'ai pour ma fille, pour les chats, pour bouffer, mais rien pour moi. Bon, je crois qu'on en arrive au bout. Alors, il faut savoir que, c'est le grand moment, j'ai retiré tout cet argent, les 600 euros plus les 200 euros, je les ai retirés en cash. Ça me fait très peur parce que je ne fonctionne qu'avec la carte bleue. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été à découvert tous les mois. Donc, voici la fameuse enveloppe de retrait, dibadibadoum. Voilà, 800 euros.
cash. Donc, on va faire les comptes. 200 euros, déjà on va commencer par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est le montant qui va partir dans ma petite pochette d'économie. Franchement, ça me fout un peu les boules de ne pas avoir prévu de l'argent pour moi. Donc, si vous avez des astuces par rapport à ça, ça, des fois, j'ai juste envie de m'acheter un bouquin ou, je sais pas, j'ai un t-shirt qui ne va plus, quoi, tu vois. Donc, bon. Ok, ça, c'est ma pochette d'économie. On la garde de côté. Ensuite, là, on va faire le point. J'ai besoin de 200 euros d'alimentation. Donc, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est pour l'alimentation. Ok. Ensuite, pour la scolarité de ma fille, 1, 2, 3, 4, 5, 100 euros. Donc, je remplis le nombre. Voilà. Le nombre de billets de 20 euros. Alors, j'aurais bien aimé avoir d'autres billets, genre, tu sais, 5 euros, ou comme les Américains, là, 1 euro. Génial. Mais il s'avère que j'ai retiré et on m'a donné ça. Donc, la prochaine fois, j'irai au guichet si c'est possible, mais je ne sais même pas si c'est possible. Ensuite, pour la voiture, 160 euros, parce que là, je vais avoir un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 160. Le shopping de Maëlie, hop, ça fait un billet. Les sorties et les restos, ça fait 3 billets. Et donc là, il me reste 60 euros divisé deux sortes, comme ça. Donc là, il va falloir que je me fasse de la monnaie pour avoir un billet de 20 et un billet de 30 à chaque fois. Hop, maintenant, on a plein de pognon. En tout cas, c'est ce qu'on croit, puisque je ne vais même pas pouvoir m'acheter une bricole à 2 euros, vous voyez. Et ça, je vous le dis, hein, dès le mois prochain, c'est terminé cette affaire. Hein. Je me suis fait donc cette petite pochette qui va me permettre de mettre mon cash dedans. Donc, l'alimentation, c'est le plus gros poste. Bah, à la limite, si je veux m'acheter un livre, j'aurai qu'à m'en manger. Hop. Et à l'intérieur, je me suis fait des petites fifiches. Chaque fois que je dépenserai un petit peu de cash, je le noterai ici pour pouvoir voir où est parti mon argent. Chose que je ne suis incapable de vous dire une fois que j'ai utilisé ma carte 5 fois par jour, vous voyez. Ok, donc ça, c'est bien rangé. Après, ma Lily, 1, 2, 3, 4, 5 pour sa scolarité. Toujours avec la petite fiche de budget à l'intérieur. Ensuite, l'entretien de la maison, je vais mettre, là je vais mettre 40, mais on est d'accord que je vais devoir n'en mettre que 30. Et donc, pour mes animaux de compagnie, il restera 20. Bon, on sait que c'est 30 et 30. Il y a toujours une fiche de budget à l'intérieur, obligatoire. Il faut que je puisse absolument tout noter, il ne faut pas que ça m'échappe. Ensuite, pour la voiture, hop, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parti mon kiki. La voiture, elle est là. Toujours ma petite fiche de budget à l'intérieur. Et les sorties et les restos, on en voit le bout. 60 euros. Et nous y voilà. Bon, donc tout mon cash est divisé selon ce tableau. Il est divisé ici dans les petites enveloppes qui vont bien. Et quand j'aurai besoin, je réfléchirai à ma journée et aux dépenses qui sont prévues. Et nous y voilà. Sur ce, total des dépenses variables en cash, on est bien à 600. Il reste 10,88 €. On verra, c'est peut-être ça qui me permettra
de me payer une babiole. Je vais quand même faire mon petit récapitulatif mensuel pour être sûre que j'ai rien oublié et que je ne me suis pas mise dans la panade. J'ai mon petit modèle là sur le côté. Donc, le total... Ah, je vois que j'ai fait une bêtise. Hop là. Total des revenus, donc on en est toujours à 1597,12. Moins... En sortie, on est à 336,19. Donc là, on est sur du sortie automatique, donc des prélèvements. Au niveau de mes dettes, maison et compagnie, 450,05. Au niveau des économies que j'ai prévues de mettre de côté pour toutes les choses qui me tombent dessus annuellement, je mets 200 €. Et pour le cash variable que j'ai placé dans mes enveloppes, 600 €. Ce qui nous fait... un total de 1597,12 moins 336,19 moins 450,05 moins 200 plus 600, 800 égale, il me reste bien 10,88. Oh punaise, on est bon là. 10,88, on aura une problématique avec ces histoires de cash, ce sont évidemment les pièces, mais grâce à Budget Chris, je mettrai son nom sous la description, j'ai envie de m'acheter, enfin, si ça se trouve les 10 € vont partir là-dedans, j'ai envie de m'acheter une petite tirelire de la mort là, trop mignonne, qui va me permettre aussi de faire des économies sans trop m'en rendre compte, je l'espère. Voilà, et eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, ça me ferait plaisir que vous m'encouragiez sur ce chemin. J'aimerais vraiment pouvoir payer mes dettes avant d'avoir plus de 60 balais et profiter un peu de la vie en fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et puis surtout écrivez-moi en commentaire si ça vous dirait de vous lancer avec moi. Peut-être que ça vaudrait le coup que je mette en ligne mes petites fiches. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Je pense que je vais le faire. Je vais mettre en ligne mes fiches parce que j'ai vraiment mis beaucoup de temps à les créer. Voilà. Et ben, je vous souhaite une belle journée. Faites attention à vos petits sous. Et puis, faites attention à vous aussi. À plus !